Yo la famille, on dit quoi? J'espère que vous allez bien, ça va quand même s'éviter un retard. Nouvelle vidéo aujourd'hui qui va concerner Safara Lubiang et son concert manqué à San Pedro. Parce que je vois un peu les gens trop bavarder là, en commentaire, souvent sous des posts, que le petit a pris la grosse tête, pourquoi il n'est pas venu au concert. Et c'est vrai, hein? Nous sommes leurs fans. C'est à cause de nous qui se bat en studio. Voilà, c'est à cause de nous qui se tue à nous sortir tous ces concepts là. C'est à cause de nous qui donne ces très belles chorégraphies là. Mais faut pas qu'on se foute d'eux. Et puis, je vais vous expliquer ça dans cette vidéo là. Vous comprenez un peu, non? Je vais vous expliquer ça. Voilà, apprenons à respecter nos artistes. Voilà, j'ai une petite info ici sur les Kiff No Beats. Voilà, j'ai vu un petit truc là. Je sais pas si c'est juste une simple photo ou c'est quelque chose qui se prépare avec ce grand monsieur là. Donc, on se prend juste un peu le générique. Ils l'ont fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? Des progrès, progrès à la base. Je procède à des virements, des virements. Bon retour, famille. Bon retour. Voilà, comme je vous ai dit là, on parle de Safara Lubiang et de son concert manqué. Je vais vous expliquer un peu comment les choses doivent se passer et comment les choses se sont passées, selon mon analyse. Voilà, mais avant, il faut qu'on parle un peu des Kiff No Beat. Voilà, un groupe qui fait plus trop de bruit, mais qui fait beaucoup de bruit avec leur dernier single. Voilà, je sais pas si ce sont des morceaux de leur prochain album, mais franchement, ils ont fait un gros carton avec Ce n'est pas bon. Et actuellement, il y a Kadomi qui est sur l'équipe musicale et qui cartonne fort aussi. Franchement, c'est un groupe rap à féliciter et même à honorer, je dirais. Parce qu'ils sont jeunes, mais ils représentent dignement la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Franchement, quand on parle de rap en Afrique, franchement, ils sont comptés. Voilà. Ils ont même été mentionnés dans certains magazines très, 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 très prestigieux comme Forbes. En tout cas, c'est des gars qui travaillent, c'est des bosseurs. Voilà. Et moi, j'aime les bosseurs. Et comme ça, j'étais en train de traîner comme ça sur Instagram. Et puis, j'ai vu un cliché du groupe avec le grand producteur nigérian John Jazzy. Bon, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Peut-être que c'est une simple photo. Peut-être que c'est une simple photo. Mais franchement, moi, je vous espérais que ce soit une collaboration qui soit derrière cette photo-là. Parce que Don Jazzy, ah, c'est quelqu'un qui change de vie. Voilà, c'est quelqu'un qui change de carrière. Voilà, c'est l'un des plus gros producteurs en Afrique ici. Voilà, si vous ne savez pas, je vous informe, c'est l'un des plus gros, gros, gros producteurs en Afrique ici. Il est très jeune, mais très intelligent et très, très professionnel dans son domaine d'activité, qui est le domaine musical. Voilà, donc j'ai vu comme ça cette photo-là, que je vais vous montrer maintenant. Voilà, donc quand j'ai vu ce cliché-là, ça m'a vraiment fait plaisir. Je me dis, ah, peut-être qu'ils se sont rencontrés quelque part, ils ont fait la photo, mais peut-être aussi qu'il y a un gros projet en cours. Voilà, et j'espère vraiment que ce projet-là voit le jour. Franchement, Kiff No Beat, artiste francophone, John Jazzy, artiste et producteur anglophone, et non des moindres, franchement, ça peut donner quelque chose de balèze. Ça peut vraiment donner quelque chose de balèze parce que Kiff No Beat aussi, c'est un grand groupe rap africain. Voilà, tout le monde entier les connaît si vous ne le savez pas. Si Forbes a parlé de toi, c'est que le monde entier te connaît. Voilà, c'est très important de le mentionner. Donc, Kiff No Beat, on espère voir quelque chose derrière cette photo-là, cette simple photo publiée sur le compte de Moja Veili, Didi B. Et c'était un peu ça la petite info sur les Kiff No Beat. Kiff No Beat, Don Jazzy, quelque chose se prépare à mon avis. Voilà. Maintenant, on va commencer la fête Safara Lubiang. Les amis, vous voyez, regardez d'abord cette vidéo-là. Regardez cette première vidéo de Safarel. Et puis après, on revient. Cette vidéo de Safarel où il confirmait, il invitait même ses fans à acheter les tickets. Voilà, on regarde ça et puis on revient. Yeah, population de San Pedro, recevez ici le South King Safarel ou bien le coup de poing de Jésus, le feu du Saint-Esprit, général amour qui ça va venir vous. Ça chauffe pas. Bon, San Pedro, population de San Pedro, il entend ce que vous dites. Ouais, Safarel aux États-Unis, est-ce qu'il va venir? Le concert aura lieu. Oui, le concert aura bel et bien lieu. Voilà, je serai bel et bien là. Donc, commencez à acheter les tickets. Je viens à tous les soldats russes. C'est une histoire de tchétchène, manger Chicago, Grattan, sauter, sauter, Woyo. C'est trop. Il y a trop de concepts. Donc, ceux qui n'ont pas la foi, moi-même là, je descends sur Babi 2 jours là. Donc, apprêtez-vous, San Pedro, j'arrive. C'est confirmé. Voilà, c'est le Safi même qui vous commande ça. Donc là, achetez vos tickets en Désiré, Tagulo, en Tatiana. J'arrive. Donc, j'espère qu'on s'est bien compris. Ne doutez pas, c'est moi qui fais vidéo depuis les States qui arrive. Donc c'est confirmé. Achetez votre ticket, c'est ma petite show qui a fait passer ensemble. Voilà les amis, vous l'avez bien écouté. Si c'est un gars qui n'avait pas envie de partir, de rester à San Pedro, il n'allait pas inviter les fans de San Pedro depuis les States. Il n'allait pas faire ça. Voilà, je sais que c'est une histoire d'argent. C'est rien d'autre que ça. Donc ceux qui aiment parler pour parler là, arrêtez un peu. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Après l'annulation de son conseil à San Pedro, écoutez bien ses propos. Puis après, on va débattre. Voilà. Ok. Avis à tous les nous de la Camorra. Recevez ici le South King Safara Lubiang, le roi de la Camorra. Bon, à tous mes fans de San Pedro, je ne serai pas à ce concert du 4
du samedi 4 qui se tient en ce moment. Voilà. Faute au promoteur qui n'a pas eu le courage ou bien eu l'argent pour verser le reste de mon cachet. Donc, je ne serai pas à ce concert. Voilà. En ce moment, je sais que vous m'attendez. Le coin est B. Tous les Camorassins sont en tas, mais le promoteur a foutaise. Voilà. Nous, au Dieu, on a bro pour être un peu ce qu'on est. Voilà. Beaucoup d'hommes savent où nous on est quittés. Donc, quand on barra, c'est pour d'abord. C'est pour acheter mouton. C'est pas pour brouter peau de banane comme mouton. Donc, il ne nous a pas donné notre jet. Donc, je ne serai point à ce concert avec les soldats russes. Je m'excuse auprès de vous, population de San Pedro et les Camorassiens. On est ensemble. Merci. Ciao. Voilà, les amis. Donc, pour résumer, voilà comment les choses sont passées. Le mec, un promoteur résident à San Pedro, l'a contacté pour un show inédit avec ses fans de San Pedro. Chose que le petit a validé. Parce qu'il faut reconnaître, moi, je ne le dirai jamais assez. Parmi les artistes coupés des c'est l'un des artistes le plus humble. Ça, faut le reconnaître. Il faut le dire. Voilà. C'est pas parce que le gars, il mousse aujourd'hui, il fait certaines photos pour vous micher. Et vous allez dire, il a plus la grosse tête. Non. Ceux qui connaissent Safari Le Bien, ils le connaissent très bien. C'est un gars qui est très humble. Mais en même temps, c'est un gars qui n'aime pas foutre. De la même manière qu'il te respecte là, il ne faut pas vouloir marcher sur lui, mais vouloir marcher sur ses pieds. Sinon, il va te mettre à ta place. Voilà. Parce qu'avant d'être artiste, c'est un vrai aussi. Il n'a pas de problème, hein. Niveau familial, là, il vient d'une famille très casée, très tranquille, sans bruit. Voilà, mais lui-même, il est un peu wanche. Voilà, il a laissé école, il a laissé les comme quoi, pour aller faire la musique. Voilà, c'est pour dire, il connaît la vie, il connaît bien la rue, il connaît comment les choses se passent. Donc, on ne joue pas avec son agent. Voilà, c'est pas parce que le mec, il est humble, tu as voulu l'agent jouer avec lui. Non. Pour résumer, il était au States, comme je vous l'ai dit. Un promoteur l'a contacté, il a confirmé, il a fait même une vidéo pour rassurer ses fans de San Pedro qu'il allait faire les bienvenus, qu'il commence à acheter les tickets. C'est que préalablement, le promoteur a dit oui, avant la date de ton concert, on t'envoie le reste de ton cachet. Chose qui n'a pas été faite. Donc il a fait la vidéo que vous venez de voir là. Quoi de plus normal? Il y a l'impression qu'au nom des fans, les artistes doivent se marcher dessus. C'est-à-dire, on doit se foutre des artistes. Non, c'est de ça qu'il vit. Et puis le mec, il a trop trimé pour arriver là. Il a trop galéré pour arriver là. La gadoue qu'il a traversée, vous ne pouvez pas imaginer. Voilà. Partez sur Google, tapez Safari Le Bien. Dans ses débuts, vous allez voir ses photos et ses photos maintenant. Voilà, c'est comme le jour et la nuit. Voilà, je ne parle pas du niveau de la beauté, mais je parle du niveau de la carrière. Il a nettement évolué. Voilà, parce qu'avant, ce n'était pas facile. Moi, je le voyais venir prester dans les coins de Zouglou, dans les coins des choses, en taxi. Voilà, il louait peut-être 3-4 taxis. Lui, c'est danseur. Voilà, parce qu'il avait l'amour de la chose. Ce n'est pas aujourd'hui où il est en train de se faire un petit nom là, que les gens vont venir jouer son nom parce que quoi, il est trop jeune ou bien parce qu'il est trop humble. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. Nous, ce qu'on veut là, on veut que ce promoteur-là vienne nous dire si c'est vrai ou c'est faux. Tu as donné l'avance de l'artiste. L'artiste lui donne son reste de son jeton avant de venir. Bah, on vous connaît, on connaît ça. Non, viens, tu as pressé, quand tu as venu, on va faire, viens, tu as pressé. Après, ça devient bafou. Si son nom n'est pas venu, ah, le pays ne va pas venir. Faut pas, on va se mentir. Voilà, faut pas, on va se mentir. On comprend que le promoteur a voulu faire plaisir à sa localité, mais quand tu veux faire plaisir à ta localité, il faut être prêt. Voilà, faut mettre les moyens à la disposition de celui que tu veux faire venir. Faire le show avec la population de ta localité. Donc, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Et je vois comme ça sur les réseaux sociaux, pourquoi il n'est pas venu, qu'est-ce qui s'est passé, il commence à avoir la grosse tête, on lui donne son cachet, et puis il ne vient pas, ça n'a rien à voir. Le petit n'a pas reçu tout son cachet, il a reçu la moitié, il restait l'autre moitié avant qu'il vienne. S'il ne voulait pas venir, il n'allait pas confirmer par vidéo, parce que sa vidéo est là, il pouvait bien la supprimer après, mais c'est resté là pour donner, pour comme preuve à conviction, pour dire que, ah, c'est pas que je ne voulais pas venir, je voulais bel et bien venir à cet événement-là, mais c'est le promoteur n'a pas été correct. Donc il est tranquille dans son coin. Si tout s'arrange, tout en fonction des dates, on peut relancer et puis va venir faire son show. Mais pour l'instant là, le petit dit qu'il a besoin de tout son argent, comme il a dit dans sa vidéo. Donc il fera point ce conseil là. Voilà, le conseil de ce niveau, je crois, depuis le 4 ou le 5. Mais ça n'a pas été le cas. Voilà. Et puis, une autre chose, un petit message à sa faveur. Prochainement, quand c'est comme ça, il faut vite prévenir tes fans en fait. Il faut vite les prévenir. Parce que je pense que ton show c'était le 4, tu as fait ta vidéo le 5. Comme ça, c'est pas intéressant. Ce que tu ne sais pas, il y a des fans qui ont cassé des choses là-bas, qui ont brûlé des choses là-bas, parce qu'ils n'étaient pas contents. Toute la ville est sortie pour t'accueillir. Voilà. Or, si tu l'avais prévenu plus tôt, il allait plus s'arranger. Mais tu as fait ta vidéo tranquillement le lendemain, comme si tu n'avais pas de spectacle dans le jour qui est passé avant, c'est-à-dire le 4. C'est pas intéressant aussi. Sinon, il n'y a pas discours. Safari Le Bien dit qu'il n'a pas reçu tout son argent. Donc, il a besoin de tout son argent. Si on lui donne tout son argent, parce qu'il a déjà eu une avance, s'il a reçu tout son argent, il va venir prester. Mais tant qu'il ne reçoit pas cet argent-là, il ne viendra pas. Et il a raison. On ne se donne pas comme ça en studio. On ne se donne pas comme ça sur scène. On ne se tue pas à se créer un nom pour devenir mouton. Non, ça va, mais je suis pas d'accord avec ça. Moi, j'ai trop aidé des gens ici sur YouTube gratuitement, sans rien attendre en retour. Voilà. Mais il y en a qui abusent. Il y en a qui vraiment qui abusent. Voilà. Je vais continuer à le faire, mais n'abusez pas. Quand souvent, on vous donne des prix forfaitaires, ou bien on essaie de vous arranger, vous pouvez sans gens, de toute façon, on veut se faire trop la thune.
l'argent que vous me donnez, c'est combien, bienvenue, c'est pas là, c'est comme ça. Respectez, de la manière que vous avez considéré, vous dites que, ah, lui là, s'il parle de ma chose, ça va prendre. Mais celui-là, il invite à mon mouvement, ça va prendre là. C'est comme ça, là, on doit suivre. C'est très important. Encouragez vos stars. Encouragez aussi vos blogueurs que nous sommes. Voilà, on a besoin de ça aussi. Mais tout le monde, j'ai commencé à faire des tournées, Inch'Allah. Mais c'est pas Djaouli, petit à petit. Donc, c'est un peu ça. Résumé de la vidéo. Kiff nos beats, don't jazzy. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et Safari Le Bien ne prestera finalement plus à San Pedro parce qu'il n'a pas reçu le reste de son argent. Le jeune dit simplement qu'il a besoin de son reste de son argent. Vous envoyez le reste de son argent, il se dépasse avec ses camaraciens. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est la vidéo du jour. Si ça vous a plu, partagez-la et puis donnez-moi vos avis en commentaire. Est-ce une bonne manière de sursoir à un spectacle parce que le promoteur n'a pas réglé la moitié de son argent et demande à le régler à la fin du spectacle au détriment de la présence de ses fans, ou est-ce normal? Parce que mine de rien, on travaille à l'assurer son fonds pour gagner quelque chose. C'était la vidéo d'Héritor, partagez si ça vous a plu. Ciao, ciao.